epic battle of history. Alex Click versus Alex Click. Encore ? Bah écoutez, ah oui, encore. Écoutez. Non. Ah si. Ah, tu m'as oublié ma gueule. Ah, ça clique, ça va ou quoi? On va te faire gagner une Nvidia Shield TV. Ouais, ma gueule, tu pourras chez toi la brancher sur ta télé. Tu vas pouvoir jouer à distance, brancher ton PC, regarder séries sur Netflix et en premier état. Bordel, mon gars, t'es une Shield TV là. On va te la faire gagner à 23h30 car j'ai rappé, j'ai perdu ma dignité, j'ai plus envie d'aller. Je voudrais bien m'esquiver, mais je peux pas car je suis payé. Ouh, wesh mon gars, on va te faire gagner une Shield TV. Tu pourras la brancher sur ta télé, wesh mon gars. Tu pourras y aller, ohé, jouer la pas télé. Un gros putain de plasma qui fait plaisir à papa. Dédicace. Dédicace à tous ceux qui font des slams. Ouais, ma gueule. Parce que même chez Nvidia, on peut slammer. Nvidia est le leader mondial de l'informatique visuelle au GPU qui symbolise toute l'étendue de notre expertise. Ce sont durablement imposés comme le cortex visuel des ordinateurs modernes. Et figure aujourd'hui au cœur de nos produits, de nos services. Nos travaux ouvrent de nouvelles perspectives encourageant la créativité. Produisent de nouvelles découvertes, des inventions longtemps réservées à la science-fiction. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, les voitures autonomes par exemple de fabrication des puces Nvidia n'a eu de cesse d'évoluer en société spécialisée. En 99, nous avons inventé le GPU de l'onglet graphique, processing unit, un processeur révolutionnaire d'une puissance graphique sans précédent qui a donné naissance à une nouvelle génération de jeux vidéo. Ainsi, t'as des avancées en termes de voitures, ouais ma gueule. Car les voitures c'est important, il y a des puces dedans. Nvidia y est aussi. Architecture Nvidia CUDA, mon gars. Nous avons exploité les capacités de traitement parallèle des GPU pour répondre aux défis. Défis informatiques lancés par les gens. Nvidia leader mondial. Partout, GTX, série 10, représente. Voilà. C'est tout pour moi.